Hello les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Pokémon. Et aujourd'hui, on va ouvrir un coffret Collector Chest Pokémon 2020. Ce coffret qui est en version originale. Alors, bon, malheureusement, la boîte est légèrement abîmée sur le dessus. Mais après, une fois ouvert, j'essaierai de le redresser parce que c'est vraiment un coffret magnifique. Donc, je vais ouvrir ce coffret en vidéo afin de vous faire découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va être une bonne surprise. A priori, il y a 5 boosters, 3 cartes foil, des stickers, enfin plein de petits gadgets. Allez, c'est parti. Ouais, je vais peut-être prendre un ciseau, ça sera plus simple. C'est des coffrets. Ces coffrets Pokémon, ils sont magnifiques. Ça peut servir de rangement, de décoration. Vraiment, on peut faire plein de choses avec. Alors là, bon, malheureusement, elle est un peu en, je pense que c'est par le transport, la boîte est un peu, voilà, vous pouvez voir la boîte, elle est exceptionnelle. Vraiment une boîte magnifique. Bon, elle est un peu enfoncée ici. Voilà, alors on va l'ouvrir et on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh, super. Effectivement, je pourrais peut-être redresser la boîte. Voilà, on va pouvoir la redresser, la boîte. Voilà, je la redresserai légèrement. Ce sera pas mal. Donc ici, on a donc une pièce, un jeton. Un jeton qui est... Voilà. Ça va bien augmenter la collection. Et on a trois cartes. Trois cartes promo que l'on va récupérer. Alors, c'est des cartes promo. Hop. On a Rillaboom. Alors, c'est en anglais, en VO. Hein. Donc, on peut voir, c'est de l'épée bouclier. C'est pas des cartes promo, c'est des cartes épée et bouclier tout simplement. Ah, on en a une autre. C'est des cartes holographiques épée et bouclier. Ah, c'est intéressant. Donc on a Cinderace et Inteleon. Trois cartes holographiques rares de cette édition-là. Hop, et on a des boosters. Alors, on a aussi une carte code que l'on va mettre de côté. On a, comme on avait vu, épée et bouclier, soleil et lune. Oh, on a deux soleil et lune, épée et bouclier, on en a un. Et voltage, c'est voltage éclatant. Donc c'est épée et bouclier. Donc on a deux boosters soleil et lune, trois boosters de l'édition du bloc épée et bouclier. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Alors on a... Je ne vais pas y abîmer. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est des sortes de... Ah oui, d'accord, ok. C'est des petits autocollants Pokémon. Donc ça, il y a plein de petits autocollants Pokémon. Ah, il y a plein de... Il y en a encore un là. Et puis aussi, on a un carnet. Bon, ça c'est pour l'amusement, si on veut faire du dessin, noter des choses. Un autre carnet, il y a deux carnets en fait. Et on a... Qu'est-ce qu'on a ici aussi? Ah, un petit... Un mini classeur. Ah, c'est marrant ça. Hop. Alors c'est un mini classeur pour ranger les cartes une par une. Alors, on peut pas mettre beaucoup de cartes dedans, mais c'est toujours intéressant. Hop, je vais ranger ça. Et puis maintenant on va ouvrir les boosters. Alors les boosters, qu'est-ce qu'on va découvrir? Attends, on va commencer par les plus anciens. Soleil et Lune, Burning Shadow. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on a là-dedans? Hop, on va enlever la carte code. Et on va découvrir les cartes. Alors, en premier, l'énergie. Et des traîneurs, Lana. Tormenting Spray. Hitmore. Ça, c'est les peu communes. Et on a les communes. Porygon, Marill. Alors, c'est en version originale en anglais. Hein. Toutes. Rihorn, Rals. Ouh, et la reverse, c'est un traîneur. Weakness, Policy. Très belle. Et on va... Ouh, une GX. Une carte GX. Noivern GX. La 141 sur 40, 147. Magnifique. Alors là,
Ça commence très 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 fort. On va la mettre ici. On commence très très fort. Je vais essayer de pas trop mélanger puisque c'est pas des boosters des mêmes éditions. Et on va ouvrir un deuxième booster. Alors là, je suis plutôt content. Hein. Trois cartes Holora dans cette boîte. Une carte GX pour le premier booster. Hop, on va enlever la carte code. Et c'est parti. Donc, allez, Ultra Ball, Pelipper, Timer Ball, Chinchou, Carvana, Togé de Maru, Pikipek, Sandile, et on a en reverse Alolan Grimmer. C'est d'une commune reverse. Et en rare, on a Bruxish. Hop, on met de côté ce petit tas et on va continuer avec épée et bouclier. On finira par les deux. Ces deux-là. Épée et bouclier. Allez, c'est. Ouais, ça, c'est plaisir. Hein, cette carte GX. Vraiment, vraiment magnifique. Allez, hop, on enlève la carte code. Et c'est parti. On a l'énergie. Allez, Ridon. Big Charm. Twakie. Scorupi. Ou toutes. Scorbunny. Pikachu. Sinistea. Et Sizzlipede. C'est une commune reverse. Et en rare, on a. Hop. Inteleon. Voilà, on va les mettre hop, avec les trois qui sont, comme on peut voir le logo de l'édition, qui sont de la même édition. Et hop, on va ouvrir maintenant les deux boosters. Voltage éclatant, allez. Alors c'est parti, peut-être enlever en premier la carte code, et hop c'est parti, donc l'énergie classique, Hitmotop, Crocoroc, Venomise, Beldum, Milseri, Hooper, Nakada, allez, Ishmur, et en reverse Dialga, c'est une rare reverse, ah super super carte. C'est Dialga en rare reverse. Et en... Oh! Togekiss V. Alors dans le même booster, on a eu une ultra rare et une rare reverse. Alors ça c'est rare, ça c'est exceptionnel. Voilà les amis, là je suis bien gâté. Alors ça c'est un sacré pack. Ce pack chess collector, c'est plus que collector. J'ai une carte GX, une carte V. 3 cartes holo rares, une 4 rares reverse. C'est un truc de fou. Allez, on va enlever la carte code. Et on va découvrir le dernier booster. Donc, Vendon Stadium, Métand, Matkina, Akada, Schmur, Rilbur, Weinmar, Cotoni. Allez, hop, on a. Ah, je suis allé trop vite, j'ai pris les deux. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Oh, c'est une Amazing Rare! Zamazenta! Non, mais c'est possible, ça? D'avoir tout ça dans une même boîte? Et puis, la rare, c'est Jolteon. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de fou? Dans... Alors là, j'ai ouvert pas mal de boîtes, jusqu'à présent. Sur les 5 boosters, on a eu ça. Non mais c'est un truc de fou. Bon, je vais sortir aussi, on a eu Dialga, une rare reverse, une carte GX, une carte ultra rare, Togekiss V, et une carte Amazing Rare, Zamazenta, en 5 boosters, et en plus, dans cette... alors elles sont là, hop, on a aussi les 3 cartes holo rares de cette édition. Là les amis, ce coffret là, c'est de la balle. Alors là, je sais pas quoi dire, mais c'est sûrement l'un des plus beaux coffrets que j'ai pu ouvrir
Et je suis vraiment trop content de pouvoir vous le faire découvrir avec ces vidéos. J'ai pas bluffé, comme vous avez vu, c'est pas une arnaque, j'ai ouvert le coffret devant vous. Alors, je dis pas qu'il y aura de ça dans tous les coffrets, mais ça compense un peu ceux où c'était un peu litigieux, où j'avais pas grand chose. Là, je sais pas quoi dire, mais dans le même coffret, déjà, c'est très rare d'avoir deux cartes ultra rares, et en plus, on a une Amazing rare dans le même coffret. Mais c'est un truc de fou. Je sais pas si on voit bien la brillance. Hein. J'essaie de montrer, on voit les sortes de granules brillancées. Ah, magnifique. Voilà, alors les amis, je suis trop content de vous faire découvrir cette petite ouverture de box qui est vraiment un bijou. Voilà. Je vous dis à très bientôt les amis pour une nouvelle vidéo en espérant avoir autant de bonnes choses à vous présenter.